Salut les cons! Homosexuel. J'ai traversé la Gay Pride et je voyais tous ces hommes qui buvaient, qui dansaient, et ils avaient l'air tellement heureux, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais c'est donc ça, la vie sans femme. Ils avaient l'air tellement heureux, tu m'étonnes qu'ils aient bonne mine, putain. T'imagines pouvoir faire un FIFA avec la personne que tu kennes, mec, c'est le paradis, hein. Et y a personne qui les fait chier avec leur horloge biologique de mes couilles, là. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus, bébé, tu veux un gosse avant 30 ans, bah trouve un stage chez TF1, mais arrête de me casser les couilles, s'il te plaît. C'est la belle vie d'être gay, les gars, je rêve d'être homosexuel, tu vois. Même moi, je suis prêt à me faire embrocher si c'est le prix de la sérénité, les gars. Et encore quelques années, les gays ne pouvaient même pas se marier. Mais quelle chance, putain! Je rêve d'un monde où c'est la loi qui m'interdit de me marier, les gars! Hein, bébé, mais moi aussi, je voudrais jurer de t'être fidèle jusqu'à la mort, mais on peut pas! Comme c'est dommage! En fait, à la manif pour tous, ils étaient pour les gars, ils étaient du côté gay, tu vois, ils voulaient vous épargner l'enfer que c'est de se marier, putain! Et s'ils veulent pas que vous adoptiez, c'est seulement parce qu'ils sont jaloux que vous puissiez avoir 5 enfants sans avoir à supporter le gros cul déformé de leur femme, les gars. C'est ma préférée de ce soir, celle-ci. Ma femme, un jour, elle m'a dit, faut que tu te convertisses si tu veux qu'on se marie. C'est comme si on me disait, si tu veux aller en prison, il te faut d'abord un cancer. Ils ont pas ce problème, les gays, tu vois. Moi, j'ai croisé un mec dans la rue cette semaine, c'est vrai, en plus, il m'a dit, oh, Tramoni, je suis juif et pédé et j'adore ce que tu fais. Et je me suis demandé s'il y a qu'à moi qu'on disait ça ou s'il le faisait à tout le monde, tu vois. Bonjour madame, je suis juif et pédé et je voudrais un croissant s'il vous plaît. Donc il m'a dit ça et j'ai dit, frérot, sache que t'es plus juif depuis que t'es gay. Mais Dieu a fui son corps quand la première bite est rentrée, les gars. Et aucune bite ne comblera le vide que Dieu a laissé dans son corps. Les gars, c'est la religion. Dieu s'en va dès qu'une tub rentre. C'est comme les feutres qu'on avait quand on était petit, vous voyez, avec plusieurs mines colorées à l'intérieur. Et pour changer de mine, t'en rentrais une à l'intérieur. Et t'avais l'autre qui sortait. Vous voyez, on appelle ça les feutres arc-en-ciel. Parce que ils adorent se faire emboîter, apparemment. Merci de m'avoir écouté. Vous étiez un super public. Pour ma dernière chronique de ta mère, je rêve d'être homosexuel. Et faites-moi un maximum de vous, s'il vous plaît, pour Perrine qui est dans la régie.